Les choses s'accélèrent concernant le prochain Assassin's Creed. Après les infos très fiables que je vous ai données dans ma précédente vidéo, voici maintenant qu'une date de sortie pourrait avoir été donnée. Alors, fake ou pas, eh bien je vous dis ça dans un instant. Mais juste avant, je voulais m'adresser aux quelques deux de cuits qui traînent ici et qui s'amusent à dire que je fais souvent du fake sur ma chaîne. Sachez, messieurs ou mesdames, que je ne fais que rapporter des rumeurs la plupart du temps. Ce n'est jamais moi-même qui est à l'origine des infos. À chaque début de vidéo, je précise que tel leak provient d'un forum américain, d'une page allemande, d'un site brésilien. Bref, je donne toujours les sources. Ce n'est pas moi qui invente les infos. Donc ne dites pas que je fais du fake, puisque je ne fais que rapporter les rumeurs du moment. Et puis, n'est-ce pas un peu hypocrite de votre part de dénoncer ce genre de vidéo? Vous qui êtes avide d'informations, vous qui, quand je ne poste pas de vidéo pendant plusieurs semaines, vous venez me dire « Ouais, Joe, à quand une nouvelle vidéo sur le prochain Assassin's Creed? Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de news. » Et tout ça pour que quand elles sortent, vous me disiez « Ouais, mais en fait, c'est du fake. Ta vidéo, elle sert à rien. Attendons les annonces d'Ubisoft. » Donc voilà, je m'adresse à ces quelques débiles. Appelons un chat un chat. Si vous n'aimez pas mon contenu, ou si vous n'écoutez que la moitié de ce qui est dit et que vous faites des raccourcis à la con, eh bien, barrez-vous de la chaîne. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'avais envie de le dire, même si ça représente à peine 15-20 personnes sur l'ensemble de la communauté. Mais vous me connaissez, j'aime bien dire les choses, je suis cash, quand quelque chose me saoule, je le dis. Et tout ce préambule aura servi à accueillir cette nouvelle information, à prendre toujours avec quelques pincettes, hein, parce que c'est pas Ubisoft qui le dit, mais c'est à nouveau du très très fiable. Le prochain Assassin's Creed sortirait bien en octobre 2020. Oui, même si c'est la merde avec le virus, même si beaucoup d'employés d'Ubisoft sont en télétravail, eh bien le jeu ne devrait pas être reporté et sortirait bien en fin d'année. Alors pourquoi je vous dis ça? D'où ça sort? Qu'est-ce qu'il prouve? Joe, arrête de faire du putaclic, on veut du concret, bordel. Eh bien calme-toi, petit scarabée, car je vais t'en donner du concret. Tout a commencé hier soir quand j'ai plusieurs abonnés qui sont venus me donner un lien vers cette fiche Amazon. On peut y voir Assassin's Creed Roman Zoom Game, qui veut dire « roman du jeu » en allemand, avec une sortie prévue pour le 17 novembre 2020. Et il s'agit tout simplement du roman officiel tiré du prochain jeu Assassin's Creed. Alors rien de nouveau, hein. Cela fait des années que Ubisoft fait ça. Ils sortent le jeu, et dans les semaines qui suivent, ils sortent le scénario complet en version roman. Ils l'ont fait avec Odyssey l'année dernière, c'est d'ailleurs là qu'on a appris que Cassandra était le personnage canon. Ils l'ont fait avec Origins, en faisant une sorte de préquel à l'histoire de Bayek. Ils l'ont fait avec Syndicate, avec le roman Underworld, avec Brotherhood, Révélation, Black Flag, etc. Bref, à chaque fois, le jeu a eu son roman. Et en Allemagne, on voit bien la mention « roman Zoom Game » pour chacun d'entre eux. Donc quand on voit cette fiche Amazon nous dire qu'un « roman Zoom Game » sort le 17 novembre, on se doute forcément qu'il fait référence au prochain Assassin's Creed. Cela veut donc dire par déduction, par logique, que le jeu sortira forcément en octobre 2020, puisque le roman a toujours été publié environ un mois après la sortie du jeu en Allemagne. En France, il me semble que c'est un délai plus court. Ça n'a jamais été l'inverse. Le roman n'est jamais sorti avant le jeu. Ce qui fait du sens, hein, puisque s'ils font ça, eh ben on va se faire spoiler le scénario avant d'avoir pu jouer. Alors j'en vois certains me dire « Ouais, mais Joe, c'est peut-être une fausse fiche Amazon, elle a été créée par un troll, ce serait pas la première fois. Hein. » Vous avez raison de penser ça. C'est pourquoi j'ai poussé mes recherches en prenant le numéro ISBN que l'on peut trouver sur cette fameuse fiche Amazon. Alors le numéro ISBN, c'est un numéro qui permet d'identifier un livre. C'est un petit peu comme un code barre, et il n'existe que si l'œuvre a été déposée légalement par la société qui édite le livre. Donc là, on peut pas faire un troll de ça. Voilà, s'il y a un numéro ISBN, c'est que le livre existe vraiment. Et j'ai donc arpenté tous les sites de vente de livres en Allemagne, et en entrant ce numéro, on tombe également sur un certain Assassin's Creed, roman Zoom Game, avec une sortie pour le 17 novembre 2020. J'ai fait énormément de sites, hein, vous le voyez d'ailleurs, je vous ai mis plein de petites captures d'écran, et à chaque fois, on tombait sur la page de ce livre. Ce n'est donc pas un troll d'Amazon. C'est réel, le roman du jeu sortira bien à cette date en Allemagne, c'est du 100% fiable. Là franchement, je vois pas comment vous pouvez dire « Joe, c'est du fake ».
D'ailleurs, pour les plus sceptiques, hein, je vous ai mis tous les liens dans la description. Tous les liens menant aux différentes pages des librairies allemandes où on peut trouver ce livre. Mais j'ai mis encore. Si je vous dis qu'avec ce roman, dont on n'a même pas le titre en fait, hein, ils ont laissé le mystère en mettant juste Assassin's Creed, eh bien si je vous dis qu'avec simplement ça, je peux vous confirmer à 100% le thème des Vikings et le possible nom du jeu. Eh bien oui, je peux le faire, hein, puisque un site a fait la boulette de renseigner les mots-clés qui se rapportent au livre et regarder sur quoi on tombe. Ragnarok, Valhalla, Viking. Si là, vous me dites encore que le prochain assassin se passera à Rome, je m'en coupe une. Là, on a la preuve irréfutable que le prochain Assassin's Creed se déroulera bien chez les Vikings, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et nous avons deux possibilités de titres, Ragnarok ou Valhalla. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, vous pouvez deviner le titre final du jeu. Voilà donc pour cette énorme information, qui part de rien du tout finalement. On a une simple fiche Amazon, sans indice réel, sans image, pas de titre, rien du tout. Mais avec ce petit numéro ISBN, on a réussi à faire des miracles, et à confirmer à 99% le titre et la période du jeu. Alors évidemment, on laisse 1% de marge d'erreur au cas où, mais je vous le répète, le jeu va être annoncé très très bientôt par Ubisoft. Ce n'est plus qu'une question de semaine, voire peut-être même deux jours, pour avoir la confirmation de toutes ces informations. Donc je vous donne rendez-vous normalement très vite hein, pour confirmer tout ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis assassins ou templiers. Pensez à me suivre sur Twitter pour avoir les infos en avant-première. J'avais déjà donné tout ça il y a quelques heures sur mon Twitter. Et n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour discuter de tout ça avec la communauté. Portez-vous bien les amis. Bon ramadan à ceux qui le font. Tchuss !